Donc je vais dire ça en français. Est-ce que ce sacrifice, est-ce qui prouve que ce sacrifice est-il accepté avant la guerre ou après la guerre? Alors, à chaque fois, c'est 7. Et 7, le 7 n'est pas gratuit, bien évidemment, parce qu'on connaît l'importance des nombres, notamment chez les Bambara. 7, c'est quoi? C'est 4 plus 3. 4, c'est le chiffre, 3, c'est le chiffre de l'homme, à cause de ses attributs sexuels. Et 4, c'est le chiffre de la femme, pour les mêmes raisons. Et donc, 4 plus 3 égale 7, c'est-à-dire l'unité parfaite du monde. Donc, quand on choisit cet objet, eh bien évidemment, on lui donne un sens. On lui donne un sens sacré. Je reprends ce qui concerne le Ségou. On parle des 4444 balanzans. 4444 balanzans, en numérologie, ça donne quoi? 4 plus 4 plus 4 plus 4 égale 16. 16, 1 plus 6 égale 7. Et on est encore ramené à 7. Donc le chiffre de 4444 n'est pas un chiffre pris au hasard. C'est pas parce que ça faisait joli. C'est parce qu'il signifie effectivement une espèce d'harmonie du monde. Et on va le retrouver en permanence, cette chose-là. Et bon, moi, ça me plaît bien, ces histoires-là. Parce que je trouve effectivement que c'est une manière de voir, une manière positive, de voir une réalité. Alors bon, c'est vrai que le balançant est un très bel arbre. Mais on comprend effectivement qu'en disant qu'il y en a 4444, on n'a jamais compté, personne ne saura jamais qu'il y en a 4444, c'est pas vrai, mais en tout état de cause, ça a du sens. Ça a du sens sur le paysage que l'on voit. On s'invente une nouvelle géographie, une géographie imaginaire. Donc, parce que quand il y a un flan de balade, il y a un sabbat. Or, il y a un sabbat de balade, il y a un sabbat de vie, il y a un sabbat de vie, il y a un sabbat de vie.
Donc on y est sabbat pendant l'année car on peut faire boulot plat de bar. Donc on y est signé le boulot plat du gars de car c'est pour pas boulot. Donc quand il y a ta calage, on peut balancer mes forces. On balance banane, balance kemnane, balance pinane de corne ni kili. On y a des adjectifs ne on peut moins mal balancer un adjectif. Mais on a qu'il n'a de tout. Nous signera car donc à fond où jeté le fenô de donner corne à fratina. Donc ni jeté donner fenô ni jeté fen donner corne là. Il a faut et nani pendant nani car à clair nani. Nani were faro ka tuni ko biye tan woro tan woro fana be feno de fo e doni ko nana do boni ata le balanza banani balanza yere droi yiri yiri bi ta faka bo se ko ko doni ko me a banani ba balanza banani at balanza nan ko ko kele ko jate mi ba ko jate fana be feno de fo mi di balanza e fana tikele ko were de fana jara li e frankina donia o ka di frankina ko do ko nana bana. Est-ce que tu es un peu plus de temps? Oui, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Donc, on va voir le nom de la maison. On est là où on est. On est là où on est.
Oui, je pense avoir compris le sens de votre, question. Il y a deux choses à bien comprendre. C'est qu'on n'est pas dans un monde rationnel, raisonnable, logique, scientifique. C'est avant tout un problème de croyance. Un fétiche est surtout efficace si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, il a peu de chance. Ça, c'est la première chose. Mais je voudrais quand même rebondir justement sur, pour bien vous montrer effectivement que c'est la croyance qui est essentielle, j'ai mis ici, là, sur l'image de Kondo. L'image de Kondo. Et c'est un fétiche de chasseur. Et ce fétiche de chasseur, il assure l'invisibilité, c'est-à-dire on ne peut pas battre le chasseur que si ce chasseur respecte trois grands principes. Le premier principe, c'est « tu ne mentiras pas ». Le deuxième principe, c'est « tu ne trahiras pas ». Et le troisième principe, c'est « tu ne prendras pas la femme d'autrui ». C'est-à-dire qu'on voit bien effectivement que le fétiche, il est ça, certes, pour donner du pouvoir, mais en même temps, il est fait pour donner des leçons, pour donner des morales, pour donner des principes de vie et de comportement dans la vie à un certain nombre de gens. C'est là, effectivement, aussi le rôle du fétiche. Il a un rôle social éminent et un rôle d'enseignement. D'accord, oui. Désespérément, dans cette assemblée qui est faite presque d'hommes, il y a une jeune femme qui veut prendre la parole depuis 10 minutes et qui n'a toujours pas réussi. À
ami hakɛ to ɲininkali bi to n bolo an b'a ka ɲininkali lamɛn ni jaabi min bɛ yen nɔ o d'a ma jama ka hakɛ to. Bien sûr. Tout fétiche a un nom, mais pas uniquement, monsieur. Tout fétiche a un nom, et tout à l'heure, monsieur le Chouinien, il y a des paroles qui accompagnent le fétiche. Il y a des paroles qu'on ne peut pas prononcer sur un fétiche, il y a des paroles qu'on doit prononcer. La parole est essentielle. Et notamment lorsqu'on fera à la fois la fabrication du fétiche, comme quand on fera les rites qui feront vivre ce fétiche, les mots que l'on prononcera, les mots que l'on ne dira pas non plus, seront très importants. Ce n'est pas uniquement un problème de nom, c'est aussi un problème de nom. La kouma, la parole, est essentielle. Gardez-les. Moi aussi j'ai mes secrets, je ne vous les dirai pas. Oui, alors. Sobre esse amor, bem.
olu fɛ tubabula u ka fɛn dɔ bɛ bɛɛ yira farafinna dafɛta bɛ ten tulonkɛ de do kɛrɛnkɛrɛnna ɲɔgɔn ka koja do ɲɔgɔn na sinɔ bolo be ye tubabukɛ yɛrɛ tɛ se ka ɲɛjɛ o yɛrɛ la ese o ta ta ye wa an ka farafinna ko an ka sɛbɛ dɔn an yɛrɛ la laban na nunu ka fanfɛla olu ka fɛla bɛɛ tɛ fɔ an ye an kana an ka fɛla bɛɛ f'u ɲɛna mɛ an n'u bɛ jɛ ka ko lamore an bɛna bɛ ko dɔ dɔw sababu la mɔgɔ ma kelenna u ti ko dɔn donc an ka se ka fɛn kelen ma ka ɲɔgɔn faamuya ko nin kɔnɔna na ala sago i sago mɛ an ka fɛnw bɛ yen olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nunu fɛ dɛ kɛlɛ t'a la an kana kɛ kɛlɛ ye a tɛ ɲɛ sɔrɔ hali fɛnw bɛ yen sini sɔgɔma hali sini sɔgɔma a m'o tɔgɔ mɛn a m'o ye fɔlɔ wa an sigilen don o ma an bɛ sa o fɛnɛ ma ala sago karamɔgɔ sago doso den n'a ba an ye fili fitinin dɔ kɛ a ka d'an ye si wɛrɛ ni mɔgɔ min bɛ kuma i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ i k'i bɔyɔrɔ fɔ parce que sali kɔnɔ yan mali fan tan ni naani kɔ di wa a bɛɛ lajɛlen bi yan burukina faso bɛɛ bi yan n ye karamɔgɔ kati solo ale kumana ka foli kɛ ka dɔ fara tubabukɛ ka baara ko kan karamɔgɔ isa ale ye ɲininkali kɛ ka fana ka dɔ fara isa keyita ka bɔ kurusabe karamɔgɔ kɔtɛ bi ka bɔ bajala n'ale kumana ka dɔ fɔ karamɔgɔ dramani dunbi ale fana bɔra ka dɔ fara kuma kan k'ale bi fo jija ni jija doso ninnu ye an ti la ni mɔgɔ min bɛ kuma siɲɛ wɛrɛ i k'i yɛrɛprezante i k'i bɔyɔrɔ fɔ o fana b'a ko ɲɛ o la an minnu sali kɔnɔ yan an na ɲɔgɔn dɔn parce que mali fan bɛɛ de bi yan bi donc ni i ye karisa dɔn i ye karisa dɔn a sɔrɔla musaw la festival de zumuni a ma an ti don ɲɔgɔn na ka taa aw bɛ sɔgɔ aw ni ko ka dɔ bɛ kuma ɲini na a ti taa de ko ɲɛbɔ a ko kuma minnu fɔra a bɛ dɔɔnin fɔ olu la. Je voudrais répondre à monsieur là, parce que je trouve que vous avez posé une question qui est très pertinente, qui est importante. Comment, alors, sur la nécessité, effectivement, de savoir. En fait, moi, je n'ai pas envie de savoir vos secrets, mais j'ai envie de comprendre pourquoi vous les faites. Pourquoi vous faites ça? Parce que ça, c'est important. Dans la connaissance et le savoir, c'est quand même des éléments qui permettent aux autres de ne pas trop se faire la guerre. De comprendre, même si l'autre ne comprend pas, au moins comprendre les raisons qui l'ont poussé à faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, alors moi je vis une technique très particulière quand je veux faire parler les gens. Je ne leur pose pas de questions. Je leur dis à vous de me poser des questions. Et c'est vrai que quand quelqu'un te pose une question, il se révèle beaucoup plus que quand il te donne une réponse. Il faut inverser la chose, de mon point de vue. Et je l'ai pratiqué je ne sais combien de fois, je te dis, si, au lieu de poser une question, je dis à l'autre, pose-moi ce que tu veux savoir de moi. Alors évidemment, lui, quand la personne qui pose une question, elle le fait en fonction de ce qu'elle sait, de son monde à elle. Et c'est ça qui est intéressant. Et la recherche, on pourrait parler de la recherche anthropologique, pour parler à tous les étudiants qui sont là-bas, en recherche, évidemment, ou en recherche en sciences humaines, il est important de pouvoir faire d'utiliser des techniques qui vont te permettre d'approcher une certaine forme de vérité. Donc, pour avoir un peu ça, non. Quand il donne une famille en locaux, locaux, mais pour on n'a pas donné. Ko ale ye kow ɲɛɲini wagati min na k'ale kun ale ka ko ɲɛɲini kɔnɔna la ale b'a ɲini ka kow bɛɛ dɔn ko parce que ale b'a dɔn a tɛ se ka kow bɛɛ dɔn ko mɛ a ye ko ɲɛɲini kun dɔ de kama o kun ye mun ye walasa a bɛ se ka faamuya mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ u b'a kɛ mun de kama donc n'ale ye mun ye k'a kɛ o le y'ale ka essai kana kɛlɛ bolo ma n'ale y'a faamuya k'a fɔ nin bɛ kɛ walasa ka nin de datugu oubien nin bɛ kɛ walasa ka bɛn ni kɛlɛya de na dugu kɔnɔna na n'ale ye olu faamuya sisan hali n'ale ma kɔnɔko dɔn a b'ale bilasira ka kɛcogoya fana dɔn o mɔgɔw cɛla donc ko dɔnni ye fɛn dɔ ye mɔgɔ t'a ɲini ka dɔnni kɔnɔko bɛɛ dɔn mɛ mɔgɔ b'a ɲini ka dɔnni faamuya kun min kama a bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ u b'a kɛ kun min kama est ce que a bɛ ka kɛ bɛn de kama wa est ce que a bɛ ka kɛ kɛlɛya de kama wa oubien est ce que a bɛ ka kɛ walasa ka fɛn dɔ de makara wa donc ni olu ɲɛdɔnna a b'an kisi fili caman ma an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ko n'an ye mɔgɔ ye ka ko kɛ n'i t'a dɔn a tigi bɛ ka kɛ kun min kama a bɛ se k'i bila fili dɔ fana na ko kɔnɔna na donc a y'o fɔ ko ale ka baara taabolo ye min ye k
Faut aller à l'île pour jamais. Mais à cause de jamais, il jamais fait avec. Mais la première fois que on dit qu'est-ce que fait jamais fois que il avec un fond premier, on dit que c'est la fois calendrier de coronana. Donc on est capable de faire jamais la fois que il comme ça, ni jamais on dit jamais que c'est jamais de nous faire pas. Sinon, pour corona donné, parce que comment est à la veille. Voilà. Le souper est le parce que nous avons des I'm gonna go get some more.
D'abord, lui est père de mon corps. Et puis après, il faut qu'il m'assemble. Et puis, je vois qu'il est. Voilà. Quand il a quand tu as des points de paix, tu m'en as fait. Il y a 60 pour le mien. Il y a 60 et 60 bien ça. Il y a pour le mien. Nous avons les soumis à quelqu'un qui est trop aussi la tienne de la vie. Je suis là. Mais il y a un il y a un sommeil, il y a un sommeil. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Elle est la barre à rater.
et il y a pour bien faire de la couronne. Bon, je vous ai dit toi-même. Quand on va dire ça pour toi-même, allez le remettre à la polo-polo-yay, à l'orana à la candélité-yay. Donc, ça que les fesses. On connaît, on met ce qu'après, nous on a remis. N'a pas la tête dans vos sons. Deux outils, elle est bien déroulée. Mais, deux outils, il est là, il est là, mais il est là, 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 bon, allez, 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 assez d'années, oui, à mon poignot d'or, à cette taille. Il a son père. Il fait un peu à Jaragne Bosse. Michel, amenez-moi, c'est la Michel, ma. À ta débat. Je comprends que les débats entre vous soient effectivement intéressants, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on voudrait dire, parce qu'on ne peut pas échapper, notamment pour les étudiants qui sont là, qui, c'est vos débats à l'intérieur de la Dondoya entre la Somaïa et la Dondoya, intéressant, mais est-ce que ça intéresse le monde? Est-ce que ça intéresse le monde? Est-ce que vous n'êtes pas à autre chose de l'histoire en faisant ça? C'est la question que je fais. Mais il y a quand même une chose que je voudrais dire à propos du mot fétiche. On dit que les fétiches sont chargés. Ils ont effectivement une puissance, ils ont un pouvoir. Mais les mots aussi sont chargés. Et les mots, ils ont une puissance destructive. Et en particulier le mot fétiche en français. Ok, Michel Fora, c'est ça, non? Quand il y a un peu de choses, il y a un peu de choses. Pour que nous puissions nous laisser faire un peu de temps pour nous comprendre. Maintenant, pour nous faire un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. 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 Alors le mot fétiche, effectivement, ben c'est un mot qui est chargé de la même manière qu'il y a des fétiches qui sont chargés positivement ou chargés négativement, les mots sont chargés. Et le mot fétiche, il faut le reconstater au plan sémantique, au plan des significations, eh bien il est négatif. Il est négatif parce que ça servit effectivement à stigmatiser, à dénoncer ce que j'appelle les pratiques rituelles africaines en montrant des naïfs sauvages devant des dieux de bois. Moi, je ne vous considère pas comme des naïfs sauvages, des naïfs sauvages adorant des dieux de bois. Mais c'est ce que le mot fétiche dit, et il le dit au monde entier. Puisque le mot fétiche, on le retrouve dans toutes les langues. Que vous prenez l'allemand, l'anglais, le turc, sauf l'arabe et le coréen, je vous le conseille. Mais toujours c'est ce mot fétiche. Et le mot fétiche est un mot négatif. C'est un problème quand même. Donc, pour y aller, c'est-à-dire pour les folies, pour les tomber. Quand il y a des techniques à faire, pour les trois mois, c'est qu'à faire un travail, il y a des techniques à faire, mais il y a des choses à faire. Mais au cours des deux heures, c'est là. Après ça, il y a des choses à faire. Maintenant, pour les deux heures, on a là pour les heures de repos, pour les mental, parce que quand il y a faut pour les que après la tâche, il faut enfin pour les soir, comment on a qui est dans ce rôle, habit fait dans le fort, fait bien, mauvais bien, fait bien là pas du tout, voilà ça qu'à faire. Donc, le mot fétiche est un mot qui a surtout servi à dénigrer les cultures africaines. C'est là que je dis que le mot est négatif.
et qui décharge l'éducation. Il faut que vous en preniez conscience quand vous utilisez ce mot, parce que le reste du monde comprend comprend autre chose, bien évidemment. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, bon, il y a des problèmes qui sont en train de parce que nous ne pouvons pas parler de nous, nous ne pouvons pas faire des mais quand nous ne pouvons pas parler de nous, nous ne pouvons pas parler de nous. N'a pas de bonnes politiques pour les stratégies. Or, est-ce que vous avez une politique bénévole? Donc, quand vous avez une politique, vous avez une politique qui vous a fait. Donc, quand vous avez une politique pour les accès à la formule, vous avez une politique qui vous a fait. Donc, vous avez une politique. Je vais reprendre mon traducteur parce qu'il a commis une erreur. Une erreur grave. Il a traduit le mot fétiche par le mot poli. C'est faux. C'est faux parce que le mot fétiche, il est. Le mot fétiche, c'est le mot fétiche que je montre du doigt, avec sa déclinaison dans toutes les langues du monde. Le mot boli, c'est le mot boli qui parle à vous. Mais le mot boli, il ne parle pas aux occidentaux, il ne parle pas aux anglais, il ne parle pas aux russes, il ne parle pas aux allemands, etc. Eux, ils utilisent le mot fétiche, qui est un mot négatif, bien évidemment. Et donc, alors, les anthropologues, là, je parle pour les étudiants là, des sciences du langage, utilisent des métaphores, comme on dit, pour parler des fétiches. Ils appellent ça des hôtels, des dieux-objets, des objets forts, des choses-dieux, des signes coûteux, des power-objects. Donc ils essaient de trouver une solution parce qu'il y a d'autres choses pour montrer une réalité qui est complexe. Le monsieur qui disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas y accéder facilement, pour montrer une réalité qui est complexe, eh bien, on n'a pas forcément des mots. Et c'est ça le véritable problème quand même. Donc, quand même, n'est pas fini pour notre donner compte parce que a un fétiche fort, qu'on est fini, donc qu'on est fétiche qui est poli. Quand on dit que va y aller, on a un cadeau, on a un cadeau, on a un type poli fort. Mais avec un refond, on a un poli restant. Quand on est un problème. Donc, quand on est un type poli, on a un cadeau, on a un cadeau poli là. Quand on a un poli, on a un cadeau, 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 on a un cadeau. Or, oui, moi ce que je souhaite effectivement que lorsque vous parlez de. Vous avez raison d'avoir des débats sur le Soma ou les donjons, okay. Mais pensez que vous n'êtes pas les seuls dans le monde et que le monde est un monde ouvert aujourd'hui et que tout le monde regarde, y compris ce que vous dites, ce que vous faites. Il faut que ça ait un sens au niveau mondial, bien évidemment, parce que sinon vos cultures vont disparaître. Elles n'existeront plus, on en restera toujours à dénigrement de gens qui adorent des morceaux de bois. Et ça, c'est quand même, moi, de mon point de vue, c'est faux. Mais il n'empêche que si vous n'utilisez pas les mêmes termes que le reste du monde, vous ne pourrez pas faire passer votre message, vous ne pourrez pas faire valoriser votre culture. Donc, donc, pour le fait, il y a un peu de temps à faire. Donc, est-ce que nous avons un peu de temps à faire? Est-ce que nous avons un peu de temps à faire? Donc, quand nous avons un peu de temps à faire, nous avons un peu de temps à faire. 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 Pour continuer à parler aux étudiants, il est évident que dans les ouvrages scientifiques, dans les ouvrages d'anthropologie, de sociologie, on n'utilise plus le mot fétiche parce qu'évidemment, c'est un mot qui n'a plus de sens, il est trop négatif. Alors, on utilise les mots que je vous expliquais tout à l'heure, mais le plus souvent, on revient au mot africain. Quand M. Jean-Paul Collin écrit un ouvrage sur la pratique des fétiches, en pays Bambana, il parle des bolis. Lorsqu'il parle du pays Minyanka, il parle des Yaperlés.
lorsque d'autres parlent de ce qui se passe au Bénin, eh bien, ils vont parler du vaudou, bien évidemment. Et quand ce sont des scientifiques qui parlent du Congo, ils vont s'intéresser au Nkisi. Je crois effectivement que le problème de la traduction, c'est-à-dire en fait, le problème de la traduction est compliqué. Je sais bien, il dit des bêtises à chaque fois qu'il traduit, bien évidemment. Mais c'est pourtant le seul moyen de communication que j'ai trouvé pour, avec vous. Lui, il doit me traduire ce que vous dites, et moi, il doit aussi traduire ce que je dis pour que vous compreniez. Mais c'est très compliqué. Et là, évidemment, se situe le problème de la compréhension entre les individus, entre les cultures. Et c'est fondamental parce que c'est ce qui construira la paix dans le deuxième temps. Donc, avec la même forme, il y a un grand homme à 600 ans. Il n'a pas de traduction et trahison. C'est-à-dire, fait comme si on le problème, mais il n'y a pas d'élément de traduction. 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 Mais il faut que les gens soient en train de se faire des fétiches pour différencier les gens qui ont fait des choses. Mais comme. Voilà. Donc, comme il faut que les gens soient en train de se faire des choses, ils ont été. Sinon, pas maintenant, on va faire des choses. Aïe, contre-moi, il faut. Bien qu'on va faire des choses. Donc, quand on fait des choses, on va faire des choses. On va passer aux questions avant, aussitôt après, monsieur. Attendez un petit peu. On va passer aux questions après. On va passer aux questions après. On va passer aux questions après, monsieur, s'il vous plaît. Alors, ce que je voulais dire. Non, monsieur, sinon on ne va pas y arriver. On va passer aux questions après, parce que sinon on ne peut pas le faire. Il y a un public qui est divers. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que le mot fétiche est en train de refaire une réapparition aujourd'hui. Il est repris notamment par certains groupes africains qui ont des discours de type nationaliste, dans un espèce de réflexe identitaire. Alors moi je trouve ça très bien parce que dans un monde globalisé qui bouscule les cultures locales, le fait de dire bien non, on va parler des fétiches avec ce que ça représente, c'est pas mal. Donc on peut peut-être commencer à réutiliser le mot, parce qu'on sait effectivement qu'on a décortiqué le mot et qu'on lui a fait perdre sa valeur, je dirais, de libératoire. Dans la monnaie avec une valeur libératoire, ben les mots ont une valeur libératoire, et notamment le mot fétiche qui a été démonétisé. Donc, au Kobeli, dépend à Fojuga et de là. Donc, quand on a essayé de faire Fojuga, on a dit, on a dit, on a fait, quand on a voulu faire la culture, on a dit, on a fait. Donc, on a mis une fouille, on a dit, c'est qu'on a fait. Maintenant, on a dit, on a fait, on a fait la culture, on a dit, on a fait la culture, on a fait la culture, on a fait la culture, on a fait forcément, on a fait la culture, on a fait la culture, on a fait la culture. Donc, au Fojuga, quand on a dit, on a Je voudrais répondre aux questions des étudiants, parce que tout à l'heure, notamment la jeune femme, voulait poser une question. Alors, les étudiants, allez-y, sur les thématiques que je viens d'aborder, parce que sinon, on va être encore à ramener à la Tanzania et à la Somalia. Ah, c'est bien. Maintenant, moi, j'aimerais poser une seule question au conférencier, notre conférencier. Qu'est-ce qu'il entend la signification de fétiche et le mot poli? Moi, j'aimerais qu'il nous édifie par rapport à ces deux points. On a été colonisés. Les colonisateurs nous ont trouvés avec notre système. Et ce système, culte qu'on avait, en gros, on appelait ça poli. Mais il fallait trouver un nom français à cela. C'est très intéressant votre question. Alors moi, je pense que ce nom Bourouan est fétiche. Maintenant, s'il veut nous décortiquer la différence entre Bouli
et fétiche, et du côté bénin vaudou. Voilà, toutes ces appellations-là, moi j'aimerais qu'ils nous édifient par rapport à ça. Alors, il faut comprendre. Non, monsieur, je réponds à sa question d'abord. Je réponds à sa question. Je suis désolé, monsieur, je suis gravé de donner la parole. Parce que sa question est importante pour la négliger. Non, ce qu'il faut comprendre, monsieur. Il veut prendre la même question en Bambara pour l'auditoire. Ok. L'opinion générale veut que je traduise le terme fétiche en Bambara. Le mot fétiche, il vient d'un mot portugais, qui était le mot feitaceria. Feitaceria. On sait très bien quand il est paru. Il est paru en 1620. Il y a un navigateur qui a parlé de fétiche. Et en 1763, un monsieur qui a écrit de l'hôtel du culte des dieux fétiches. Donc le mot fétiche est apparu dans la langue française en 1763. Mais pourquoi ils ont utilisé le mot fétiche? Alors, il faut revenir à l'histoire. Il faut revenir à l'histoire. Jusqu'au XVe siècle, l'Occident ne connaissait pas l'Afrique. Elle était, pour les Occidentaux, terra incognita. C'était rien. On ne pensait pas, à l'époque, on ne savait pas que la terre était ronde. Mais il n'y avait pas de carte qui présentait l'Afrique. Donc quand on présentait l'Afrique, on présentait vaguement peut-être des côtes, et à l'intérieur, on ne voyait rien du tout. Et ce sont les Portugais qui, à partir du début du XVe siècle jusqu'à 1492, ils ont découvert le Cap de Bonne-Espérance, qui ont fait peu à peu le tour de l'Afrique, et en s'implantant sur les différentes côtes de l'Afrique. Vous me suivez? Donc ça veut dire effectivement que ils sont allés comment? Madère et les Canaries, personne, ils n'ont rien vu. Mais ils sont allés au Sénégal, ils sont allés après dans le golfe du Bénin, ils sont allés en Angola, pour terminer en Gap d'Espérance. Ils s'installaient, et qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient tout d'un coup des gens qui pratiquaient. Je la montre tout de suite. Voilà un hôtel de Beauté. Et ils voyaient des gens qui avaient des pratiques sacrées qui étaient pour eux incompréhensibles. Pour un Portugais à l'époque, une église avec un dieu unique, que l'on honore, que l'on vénère, avec des saints, etc. C'est ça, une église. Évidemment, quand ils voient ça, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ils ont inventé, ils vont tout de suite traduire ça dans le terme qui leur revient. Excusez-moi, je suis un peu... Ça y est, j'ai trouvé. Là, je sache. Et ils vont dire comme ça, c'est de la sorcellerie. Feitaceria en portugais. Alors vous voyez la filiation. Feitaceria, fétisso, fétiche. Et
bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, ficta seria sur servi? C'est bien du latin, factitius. Et factitius, ça veut dire frauduleux, illusoire, faux, artificiel. Donc, avec le mot fétiche, se trouve introduit de manière durable, à la fois dans la langue et dans la tête de ceux qui vont utiliser le mot, le malaise, la répulsion, l'ignorance, l'aliération, l'erreur. Évidemment, on montre, et c'est là effectivement que l'on commence à dénigrer toutes ces cultures africaines. C'est-à-dire que ils n'ont pas vu effectivement que derrière le fétiche, il y avait toute la spiritualité africaine. On était dans un système philosophique qui leur était complètement étranger. Donc c'est ce que un anthropologue français dès le début du 19e siècle, dès le 20e siècle, a appelé l'immense malentendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière. Voilà que je réponds à votre question. Donc on a utilisé un mot, mais on n'avait pas compris à ce niveau-là. Et c'est aujourd'hui, avec ce travail, le travail des anthropologues, effectivement, qu'on a commencé à comprendre ce qui se passait. Tout à l'heure, je citais M. Jean-Paul Collen. M. Jean-Paul Collen fait un travail formidable, bien évidemment, parce qu'il explique le mot, il explique ce que sont les bolis. Il utilise le mot boli. Pourquoi? Parce que le mot boli, effectivement, il fait référence véritablement au fondement de la culture traditionnelle. Vous comprenez? Donc, utiliser le mot fétiche, c'était une manière de ne pas comprendre. Utiliser le mot boli, c'est une manière de comprendre. Alors ça n'a rien à voir avec la colonisation, parce que toutes ces choses-là, c'est antérieur même à la colonisation. Et au contraire, dans la colonisation, les premiers à s'être intéressés aux cultures africaines, eh bien ça a été des colons, des curés. Lorsque moi je vois, par exemple, le travail, aujourd'hui, si vous vous intéressez au Ndongo, chez les Bambara, ou au Corée, chez l'ouvrage de référence, il a été fait par M. Dominique Zahan, qui travaillait à Ségou, à l'Office du Niger, dans les années entre 1950 et 1955. C'est curieusement, effectivement, le mot fétiche qui était né avant, c'est-à-dire au XVIIe siècle, eh bien, il a commencé à perdre sa valeur avec la colonisation. Vous comprenez, c'est très compliqué, toutes ces choses-là. J'en ai fini pour l'instant. Ok, mais le titre de l'homme bien sûr, et comme la a bɔra ka fɛn caman fɔ sisan nɔ a ko i ka ɲininkali de ko kolokɔnɔyɔrɔ yɛrɛ parce que o de bɛ ka gɛlɛya don kow kɔnɔ na sisan nɔ boli ani fetiche tubabukan na or a yirala k'a fɔ minnu bɛ ka boli filɛ ubiyɛn boli filɛ sɔn filɛ ni kojugu ye o ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kun tɛ farafinna dɔn kosɛbɛ donc u kun bɛ farafinna ye dɔrɔn i n'a fɔ kɛnɛjɛ i n'a fɔ tubabukanmɔgɔ donc ko Portugais de ye farafinna jateminɛ kɛ parce que olu de sera farafinna fɔlɔ san 1800 ani 20 kɔnɔna na donc olu selen farafinna kɔnɔ u y'a essayé olu fɛ yen nɔ diinɛ de tun bɛ u tun bɛ eglizi de ye maintenant mɔgɔ minnu tun bɛ eglizi ni fɛnw ye u nana farafinna kɔnɔ u nana sɔrɔ an bɛ ka kɔmayɛlɛmaw kɛ ni fɛn wɛrɛw ye bon kɛlen k'o ye dɔrɔn u dabali pankojugu y'a kɛ suya ye donc olu taara ni suya in hakilila de ye. Donc, vous avez dit que je suis un hagile, c'est-à-dire à quel point vous avez fait un homme, un homme, a yirala k'a fɔ olu bɛ ka a yira k'a fɔ sisan n'i ye boliko ye yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye kɔmayɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn olu b'a kɛ suyako ye dɔnku u t'a kɛ ɲuman ye tuguni ɔr an dun kan ka fɛɛrɛ de kɛ k'a yira k'a fɔ an ka kɔrɔlenko de do bɛɛ n'an b'a kɛ tubabu kana yan nɔ nin fɛn ninnu b'an fɛ yan a bɛ nafa ɲɛ ye o de kama a y'a essayé k'a fɔ ko boli o y'a tɔgɔ bamanankan ye mɛ olu fɛ yen nɔ u b'a kɛ subagaya de c'est-à-dire kɔmayɛlɛmaya ka ko ba yɛlɛma ni fɛn wɛrɛw ye. Donc, on a fait un petit peu de choses. Donc, à l'époque, on a fait un peu de choses. On a fait un peu de choses. On a fait un peu de choses. Ka boliya kɛ ubiyɛn ka donsoya ubiyɛn ka ma fɛn wɛrɛ kɛ i n'a fɔ kɔmayɛlɛma ubiyɛn i n'a fɔ suya ka sɔrɔ o tɛ nafa wɛrɛ b'a la min ni o si ti kelen. Ee kuma misɛnya kuma bakuruba la
Voilà. Et il ne faut pas croire, effectivement, que c'est un privilège occidental que de ne pas avoir compris les cultures traditionnelles. Je mets ici une photo de Marx. Pourquoi ? Parce que Marx a utilisé le mot fétiche dans un sens péjoratif, dans un sens négatif. Il a parlé du fétichisme de la marchandise, dans sa théorie de la valeur. On ne va pas faire un cours de marxisme. On va pas faire un cours de marxisme, mais il y a certains qui ont suivi les cours de marxisme. En particulier, je vais en citer un, c'est M. Modibo Keïta qui a été le premier président du Mali. Et c'était un marxiste convaincu. Et ce même marxiste convaincu dénigrait les fétiches. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que les mots, ils ont des fortunes diverses, et quand ils sont utilisés avec les gens, ils conditionnent effectivement leur manière de leur décision. Aujourd'hui, moi je suis très content de ce genre de manifestation parce qu'on est en train, et je vois bien votre réaction. Je signale que moi j'en avais pour un travail. Oui, donc il ne faut pas oublier ça. Alors moi la conclusion que je fais, parce que je voudrais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Je voudrais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu, je vais vous montrer l'intérieur d'un fétiche. Ça vous ne l'avez jamais vu et vous ne le verrez jamais. Je vais vous le montrer. Je crois que c'est important, parce que ça permet effectivement de comprendre la spiritualité qui est attachée à la vie. Je suis désolé, là, tu meubles. D'accord. Avec un film ou force à ton coup, on a des problèmes. On a tout dit, la djeng est déjà allé au Jougamé. Parce que dès la djeng, c'est qu'il y a des sabots de vie, on a des gens qui sont dans le an ka seko n'an dɔn an bɛ ka minnu kɛ donsoya kɔnɔ k'an ka kɔrɔlen de don k'an kan ka bila ni bolo fila ye olu bɛna fɛn caman dɔn donsoya ni fɛnw kɔnɔna na donc ni lajɛ in ye ko belebele de y'ale bolo e a bɛ fɛ ni lajɛ in a ka kɛ yɔrɔ caman na pour que au moins donsoya ni an ka ko an ka seko n'an ka dɔnko bɛ se ka don ba la cogoya min na mais k'a bɛna fɛn dɔ yira aw la aw ma deli ka min ye i n'a fɔ a y'a image ye fɔlɔ n'a y'a expliqué. C'est pas que ça sera pour terminer, ça sera en guise de conclusion, bien évidemment. Ici, vous avez la stratigraphie d'un Makogoma. La stratigraphie, c'est comme quand vous allez à l'aéroport, on passe vos bagages dans les machines pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de vos valises. Voilà. C'est aussi une technique qui est utilisée pour faire des. Pour essayer de voir l'intérieur du corps humain, pour voir si vous avez des endroits où ça fonctionne. Ils ont appliqué la même technique. Un Makogoma. Et là, voilà le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? C'est que de toute manière, il y a une âme. Chaque boli, je parlerai de boli, là, bien évidemment, il a une âme. Et qu'est-ce que c'est comme âme à ce niveau-là ? Vous la voyez. Ce sont des petites cornes, à l'égal de ce que ces messieurs ont comme chapeau quelquefois. Il y a aussi, disons, un autre. Il y a aussi des os, etc. Donc, ça veut dire effectivement que ce boli-là, il a une âme qui est forte et qui va positionner sa puissance sacrée en quelque sorte. La deuxième chose également, c'est qu'on voit les différentes couches de sang, puisqu'on sait qu'il aurait été nourri au cours des années. Ça veut dire effectivement qu'on pourrait à la limite dater ce fétiche à partir tout simplement des différentes couches de sang que l'on voit accumuler. Et cette couche, ces couches de sang, c'est très symbolique que ces couches de sang, ça veut dire effectivement que la culture, c'est ce qui se casse, ce qui s'accumule, ce que... Les miels. On n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Les donjons n'auront jamais fini d'apprendre. Et bien c'est ça, c'est le sens effectivement des boulettes. C'est une espèce de coagulation de savoir qui vient s'ajouter successivement. Et on le retrouve dans cette couche-là. Pour une dernière phrase pour terminer, moi, ce que je souhaite, effectivement, c'est que le plus possible, on essaie de découvrir d'un point de vue contemporain, moderne, toutes ces choses-là. Parce que c'est ça qui peut parler aux contemporains, c'est ça qui peut parler aux jeunes, c'est ça qui peut leur donner confiance. Lorsque les gens de cette association organisent le donjon chronique, c'est pas uniquement pour constater que ces vieux trucs-là existent encore, ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de comprendre. Et il faut que tous les jeunes le comprennent et qu'ils sachent qu'il y a une richesse quand ils peuvent se nourrir pour avoir leur propre valeur. A bɔra ka fɛn caman fɔ kuma bakuruba la a ye boli min yira sisan nɔ a ko n'an ye tubabuw ka ko jateminɛ sisan nɔ i n'a fɔ n'an bɛ taa aeroport la sisan nɔ machine dɔw b'u bolo ni fɛn b'i ka valise kɔnɔ ni fɛn bi bana b'i fari la machine bɛ se k'o yira cogoya min na a ko nin boli nafa fana bɛ se k'o yira parce que nin boli fana bɛ se ka fɛn yira adamaden na
Donc, en tout cas, on va faire un peu de temps. Donc, on a besoin de confiance.
Yeah, no more.